Cette fois, nous allons enfin découvrir pourquoi ces lapins sont de véritables crétins finis. Le comportement obsessionnel des lapins. Expérience 20N01X. Séquence de stimuli visuels enclenchée et c'est parti. Vous voyez, il réagit. Je vous l'avais dit, ils ont quelque chose avec la lune. Regardez. Mon expérience prouve que les lapins sont obsédés par la lune. Un lapin, ça ne prouve rien du tout. Là, ça prouve que c'est la lune. C'est fort possible qu'il la confonde avec... une balle. On dirait bien la lune. Pas du tout, c'est une balle. La lune. Une balle. La lune. Une balle. La lune. La lune. La lune. La lune. La lune. Oui. Non, une balle. Vous l'avez dit. Ma langue est fourchée. Il est en train de couver la balle comme un œuf. Bon, arrêtons cette expérience stupide. Mais... Fini de jouer. Oh. C'est votre faute, alors réparez-le. C'est vous qui l'avez cassé. Oh.
Nécessaire de rédiger un rapport. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Et voilà un nouvel échec pour la science. Vous avez un message. Le gouvernement offrira 12 milliards de dollars au laboratoire qui réussira à produire un appareil indestructible pour aller sur la Lune. 12 milliards de dollars? Les lapins crétins sont indestructibles. Ils ne reculent jamais devant un obstacle. Jamais. En plus, ces lapins n'ont absolument peur de rien. Mais oui! Les lapins sont absolument parfaits pour être envoyés sur la Lune. On va être riches! L'appareil indestructible devra être capable de rassembler des roches lunaires, les photographier et les mettre dans une boîte. C'est fichu! Mais non, il peut le faire. Comment c'est possible d'être aussi stupide? Oh, laissons tomber. Regardez! Incroyable! Il va faire une photo! C'est bon, cette fois j'en ai ma claque. Bon, qu'est-ce qui est indestructible, qui n'apporte rien et qui ne recule devant aucun obstacle? Je sais! Début du programme d'apprentissage automatique. Wouhou! À nous la fortune! Nous allons être riches. Téléchargement du programme d'apprentissage automatique terminé.
photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier derrière. Photographier derrière. Photographier derrière. Expulsez gaz nocif. Ami. Téléchargement du nouveau programme terminé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Téléchargement du programme de nettoyage terminé. Programme de nettoyage. Téléchargement du programme de maquillage terminé. Programme de maquillage. Stop! Arrête le programme d'apprentissage automatique. Téléchargement du programme de danse terminé. Programme de danse. Mon joli robot! Ils veulent casser! Oh non, pas ça! Téléchargement du programme de cuisine terminé. Programme de cuisine. Non! Bouton lui! Vous avez téléchargé un virus! 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 Exterminé, exterminé, exterminé. Danger, danger, danger. Bye bye. J'ai oublié les... Oh, John, qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais juste qu'il prenne une photo de la pierre. Oh, hey, 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 oh, hey
Bye.
Vous voyez, le lapin doit seulement appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir la boîte et récupérer les radis. Et vous croyez que c'est possible? Oui. Non, mais sérieusement, John, on ne pourra jamais envoyer ce crétin sur la Lune. Mais... c'est non négociable. Il me semble que vous vous êtes suffisamment ridiculisé pour aujourd'hui. Elle va voir. Ils vont tous voir. Quand j'aurai le prix Nobel, ils devront reconnaître mon génie. Mon sondeur mental est enfin prêt. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. 7 février, début de l'expérience dans la peau d'un lapin. Cet enregistrement est pour les générations futures. Quelle chance tu as! Tu vas devenir aussi intelligent que moi! Dites-moi que je rêve. C'est une catastrophe. Nos deux esprits ont été échangés. Tout n'est pas perdu. Il me suffit d'inverser le processus. Regarde. Allez, viens là. C'est bien, viens là. Non, non, non. Calme-toi. Non. Hélas, le monstre est devenu fou. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la technologie pour le contrôler. Que la science me pardonne! La créature s'est emparée de la commande de contrôle! Je dois la récupérer. Regarde ça! Tu as vu ce beau radis? Va chercher! Sors de là, espèce de sombre crétin. Expérience numéro 10861. Ah non, je ne jouerai pas les cobayes, c'est hors de question, tu m'entends? D'accord, d'accord, je vais faire le cobaye. Je dois utiliser ça. Expérience numéro 10862. Expérience numéro 10864.
Expérience terminée. Hé, debout, imbécile, réveille-toi! Inutile de venir plus tôt si c'est pour dormir, John. Patronne, hein? C'est moi! C'est moi! Oh, John, vous lui avez appris à parler? Lui, c'est le lapin! Il est moi et je suis lui! Vous comprenez? N'importe quoi. Ces lapins sont encore et toujours plus crétins que jamais. J'en ai assez de toutes ces expériences ridicules. Suivant!